Comme nous disions, nous allons parler du rôle de Dieu dans le processus du développement de la vie chrétienne. Mais avant de passer en détail pour regarder le rôle de Dieu dans ce processus, nous devons lire d'abord le texte que nous vous avions donné comme texte de base et que nous trouvons dans 2 Pierre, le chapitre 1er et le verset 3. Et c'est très important que vous ayez avec vous vos Bibles parce que, vous savez, il y a tellement de gens qui enseignent, qui parlent et qui parlent ces jours-ci. C'est pour cela que vous devez avoir le discernement pour comprendre est-ce que tout ce que ces gens disent viennent de la parole de Dieu. Ça se pourrait que la personne prenne un verset par-ci, un verset par-là pour essayer de faire passer ses propres opinions. Mais cependant, ce ne sont pas les opinions des gens qui sont importantes. D'ailleurs, il y a des gens qui utilisent même certains versets des textes de la Bible pour développer une secte, pour développer une dénomination. Comme aujourd'hui, j'ai entendu un certain Zulu Larsan qui est en train de développer une secte. Et j'ai pris, quelqu'un m'avait tagué ce type pour que je puisse faire une intervention sur ses enseignements. Moi, avant d'opiner, j'ai été voir sur YouTube pour voir qu'est-ce qu'il disait. Mais je me suis rendu compte que il n'était rien qu'un agent du diable. Et vous me permettez de le dire parce que vous pouvez aller voir sur YouTube Zulula, il s'appelle Zulu Larsan. Il a déjà des adeptes et à travers plusieurs pays et même au Canada, il a des adeptes, il a des gens qui sont derrière lui et il prend des versets de la Bible. Il était en train de critiquer Dieu et la parole de Dieu et il a même dit que Dieu était un agent du diable. Bon, à partir de quelques versets qu'il a pris hors du contexte pour dire que Dieu n'était rien d'autre. Des apparitions de Dieu à travers l'Ancien Testament, bien sûr, et qu'on appelle la théophanie. Et je ne sais pas s'il a compris ce thème, théophanie, pour... Il comprenait pas, mais il disait que l'ange de l'Éternel, ce n'était rien d'autre que le diable. Bon, c'est lui le diable, malheureusement. Donc, on en parlera davantage. Toutefois, dans 1 Pierre chapitre 2, dans plutôt 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Comprenez, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est dit dans ce texte, mes frères et sœurs. C'est très important. Nous sommes dit que nous disions que nous ne sommes pas seuls dans le processus du développement de la vie chrétienne. Certes, nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne. Et cette vie chrétienne doit être développée. Donc, nous pas capables, en tant que chrétiens, vivre une vie, tant qu'on dit rachitique, faut que vie aller développer, faut que nous grandissons. Un nouveau-né, il est appelé à grandir, à accroître, à développer. D'ailleurs, Jésus-Christ, il croissait, la parole de Dieu nous dit, en grâce, en statut, etc. Donc, nous aussi, nous sommes appelés, puisque en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous étions morts à cause de nos péchés,
mais nous sommes rendus vivants à Christ. Une fois arrivés à cette étape de vie, de vivant en Christ, nous sommes appelés à développer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et il nous a donné par sa divine puissance, alléluia, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je salue Mimine Nicolas qui nous écoute du côté de Port-au-Prince et Jean-Léonard Villard qui nous écoute aussi. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour cette croissance, pour ce développement, mes frères et sœurs. N'est-ce pas extraordinaire que notre Dieu qui nous donne la possibilité de mener une vie sainte. Oh, nous n'en avons pas nous-mêmes les ressources. Personnellement, nous n'avons pas les ressources pour vivre une vie sainte, pour vivre une vie chrétienne adéquate et qui va plaire à Dieu. Cependant, le sachant, lui, Dieu, par sa divine puissance, il nous a donné, alléluia, il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour notre développement spirituel. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Il a fait des provisions. Voilà, mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons. Il ne nous laisse pas seuls. Oh, j'aime ce chant dans le chant d'espérance qui nous dit « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. » Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a fait des provisions pour nous, sachant que nous n'avons pas des ressources personnelles pour que nous menions une vie adéquate, une vie sainte, une vie spirituelle comme il attend. Mais il a fait tout son possible pour mettre à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions croître et grandir dans cette vie. Il nous permet de devenir participants de la nature divine afin de pouvoir, mes frères et sœurs, vivre pour lui et résister au péché. Oh, quand nous naissons de nouveau, il nous remplit de force par son Esprit Saint. Il nous remplit de force. Il nous a, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire quand nous avions accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Je ne parle pas de ceux qui se convertissent parce qu'ils veulent un miracle, parce qu'ils cherchent un mariage, parce qu'ils cherchent une guérison. Je ne parle pas de ceux qui acceptent Christ pour des raisons. Et pour des raisons personnelles, non pas pour leur salut, mais je parle plutôt de ceux qui acceptent Christ pour leur salut. Donc, il nous donne la capacité, il nous fait participer à la nature divine en nous donnant le Saint-Esprit qui nous habite. Nous n'avons pas besoin de demander le Saint-Esprit, comme nous le réclamons dans plusieurs chants. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir. Nous n'avons pas besoin de demander au Saint-Esprit de venir. Il est déjà là. Il habite en nous. Il est en nous. Seulement, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la capacité de sentir sa présence en nous. Et Dieu nous donne cette capacité de sentir sa présence, c'est d'avoir la sensibilité de sa présence en nous, et c'est ce qui va nous rendre capable de vivre une vie sainte, de développer une vie chrétienne adéquate à ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc voilà, mes frères et sœurs, le texte de base, c'est que Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour nous aider dans le processus du développement spirituel, du développement de la vie chrétienne. Donc, si quelqu'un ne grandit pas, n'accorde pas la faute à Dieu. Oh non, ne dis pas c'est à cause de Dieu, non.
Dieu n'en est rien dans ça. Dieu n'en est rien de, dans ça. C'est votre faute à vous. C'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi vous ne grandissez pas. Voilà pourquoi vous restez un chrétien rachitique. Je pourrais dire un chrétien qui... un chrétien qui ne grandit pas. Donc, si vous voulez grandir, vous avez votre responsabilité aussi, parce que Dieu, lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Mais regardons en détail ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et c'est très important. Prêtez une attention, mes frères et sœurs, à tout ce que je vais dire. Et nous allons ouvrir la Bible avec vous. Et soyez attentifs et suivez ce qui est en train de dire ce soir à travers la parole de Dieu. Ce que Dieu a déjà fait pour nous. D'abord, ce que Dieu a déjà fait pour nous, et c'est extraordinaire, il nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour nous donner cette vie éternelle, le Seigneur Jésus, dont nous commémorons la mort et la résurrection cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté sur lui nos souffrances. Dans Ésaïe 53, et à partir du verset 4, il est écrit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était brisé à cause de nos transgressions, brisé pour nos iniquités. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères et sœurs, voilà ce que Christ a accompli pour nous sur la croix, pour que nous ayons cette vie éternelle, mes frères et sœurs. Il l'a fait dans Romains chapitre 5, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, oh, alléluia, la parole de Dieu nous dit, oh, il nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes frères et sœurs, la mort de Christ, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le résultat de notre salut. L'un des résultats de notre salut est que nous possédions la vie éternelle. C'est le résultat de notre salut, la vie éternelle que nous avons. Dans Éphésiens chapitre 5, chapitre 2, le verset 5, nous lisons ce qui suit. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Oh, Nash, Jij, bonjour. Franklin, Gabriel, Bernard, que le Seigneur te bénisse. Tu nous écoutes du côté de New Jersey. Darlene Nguyen, qui nous écoute du côté de Boston. Que Dieu te bénisse. Vous êtes partout à nous écouter. Et je salue les amis qui nous écoutent du côté de Aruba. Je salue aussi les amis qui nous écoutent du côté de Chili. Les amis qui nous écoutent du côté de l'Afrique. Les amis qui nous écoutent du côté de Paris. Oh, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai des amis qui nous écoutent du côté du Royaume-Uni. Oh, merci Seigneur, parce que tu permets à ce que ton évangile puisse être écouté à travers ce média. Donc, Éphésiens, chapitre 2, le verset 5. Lisons, mes frères et sœurs, c'est très, très, très important. Éphésiens 2. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au verset. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il nous a, au verset 6, il nous dit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, oh, gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a accordé cette vie éternelle. Et ceci,
par le moyen de son Fils Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Il est impossible, oh, il est impossible pour un enfant qui est déjà mort de continuer à développer. Il est mort, pas qu'à développer, il mourit déjà. Il mourit déjà. Mais tandis que nous, vous et moi, nous étions morts à cause de nos péchés, nous dit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a rendus vivants en Christ. Christ est mort, il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et vous savez, ce qui est extraordinaire dans tout cela, c'est le verset 6 qui nous dit, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Marie-Jules, bonjour. Dun Anna, bonjour. Ce que je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs, regardez, le texte nous dit, tandis que nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi dans le ciel. Donc nous sommes à la fois céleste et terrestre. Regardez, le texte nous dit, nous sommes assis avec lui. C'est-à-dire, nous sommes en Christ. Étant en Christ, Christ est où? Christ est auprès du Père et nous sommes aussi auprès du Père. Quand Christ apparaît auprès du Père, nous apparaissons aussi avec lui, mais nous apparaissons en lui. Voilà pourquoi quand Dieu regarde, il ne regarde pas David, il ne regarde pas Marie-Jules, il ne regarde pas Dun Anna, mais il regarde Christ. Il ne regarde pas Franklin, mais il regarde Christ. Quand Dieu regarde Christ, il nous voit à travers Christ. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en Christ, nous sommes aussi au ciel, tandis que nous vivons encore sur la terre, en attendant que Christ revienne nous chercher, afin que nous, comme 1 Corinthiens 15 nous dit, nous puissions sortir de ce corps charnel, et nous allons être revêtus d'une enveloppe spirituelle, pour que nous puissions monter, nous serons sortis de ce corps mortel, pour être revêtu de l'immoralité, afin que nous puissions nous rendre auprès de Christ qui reviendra nous chercher. Il sera dans les airs et nous allons être à sa rencontre dans les airs. Mes frères et sœurs, c'est grâce au sacrifice de Christ, Dieu nous a donné. Si nous n'avions pas cette vie éternelle, nous ne pouvons pas parler de espérance ça que nous faisons là. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, et nous devons rendre gloire à Dieu pour cette vie éternelle et avec cette vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes capables de développer la vie chrétienne, parce que nous sommes à la fois dans le ciel et sur la terre. Nous sommes dans le ciel spirituellement en Christ, mais nous sommes aussi sur la terre, parce que nous sommes sur la terre en attendant que Christ revienne nous chercher. Nous devons vivre cette vie éternelle. Oh, mes frères et sœurs, puisque Dieu qui accorde la vie éternelle, c'est-à-dire la capacité de grandir, qu'est-ce qui peut faire défaut à quelqu'un dans son développement? Qu'est-ce qui fait défaut dans votre développement? Est-ce que c'est une vie de péché que vous menez? Est-ce que c'est un vice qui dans la vie ou que vous pas quitter? Est-ce que son problème charnel et qui ça qui empêche au grandir? Qui ça qui fort pas qu'à développer? Qui ça qui fort pas capable atteindre une maturité spirituelle comme il faut? Et nous sommes capables. Vous êtes capables. C'est la première chose que Dieu nous accorde. Il nous a donné la vie éternelle, ce qui peut nous aider dans le développement de la vie chrétienne. Tandis que je salue Angelina Edwards qui nous écoute. La deuxième chose que le Seigneur nous a accordé, que Dieu a déjà fait pour nous en tant que chrétien, chrétienne,
est sauvé en Jésus-Christ par la grâce, par le moyen de la foi. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Bien entendu, nous aurons à développer en gros et en large et à travers dans quand nous parlerons du rôle du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Toutefois, je dois vous dire que le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de continuer le travail que Jésus avait commencé avec ses disciples au cours de son passage sur la terre. D'ailleurs, dans Jean 14, regardons Jean 14, les versets 16 et 17, quand Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit et le travail qu'il allait faire dans la vie du croyant. Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Lisons. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Dans votre Bible, probablement, il est écrit consolateur. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Soulignez éternellement avec vous. Afin qu'il reste. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine de dire, oh, viens, Esprit de Dieu. Non, vous l'avez déjà depuis le jour où vous aviez accepté Christ comme votre sauveur. Le baptême du Saint-Esprit dont plusieurs dénominations parlent ou plusieurs tendances religieuses parlent, c'est ce baptême du Saint-Esprit, vous le recevez à partir du moment où vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Il a pris place en vous. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Je vais vous faire remarquer une chose avant de lire le verset 17. Pendant que Christ était sur la terre, avec les disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore là parce que Jésus-Christ était là. Alléluia. Je salue mon ami Jean Duraville, Pierre-Louis, que j'aurai à voir la semaine prochaine quand je serai du côté de New York. Et je salue les amis de New York qui nous écoutent aussi, Long Island, New Jersey. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, quand Jésus-Christ était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur ou un autre défenseur, afin qu'il demeure, qu'il reste éternellement avec vous. » Si Jésus-Christ est là, je n'ai pas besoin, la présence du Saint-Esprit n'est pas nécessaire parce que le Saint-Esprit est déjà Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de la Trinité, c'est Dieu qui existe en trois personnes distinctes, mais en essence qui est une seule personne, un seul personnage. Donc, la présence de Jésus-Christ sur la terre, c'était la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit aussi. Donc, Jésus-Christ, physiquement, il était là, mais il allait, en montant au ciel, il n'allait pas nous laisser seuls. Jésus-Christ a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment il allait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? C'est à partir de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous dirige. Nous allons voir le travail que le Saint-Esprit fait quand nous parlerons du rôle du Saint-Esprit bientôt. Mais je vous dis que le Saint-Esprit est en nous. Point besoin de dire « Viens, Esprit de Dieu ». Il est en chaque chrétien, il est en chaque chrétienne. Il demeure éternellement. À moins que vous l'attristiez par une raison quelconque, vous l'attristiez. Donc, si vous attristez le Saint-Esprit, vous n'allez pas pouvoir sentir sa présence. Mais la prière, c'est de demander chaque jour au Seigneur de vous donner la sensibilité de sentir cette présence dans votre vie. Il dit au verset 17, « L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste, alléluia, il reste avec vous et il sera en vous. Il reste avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous accompagne, mais il est aussi en nous. Oh, quel extraordinaire travail que le Saint-Esprit il fait en nous. Tandis que je salue Denise Pierre, Marie-Élise Charles et mon ami Aaron Stanelis qui nous écoute du côté de Jean Rabel en Haïti. Donc, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de continuer le travail que Jésus-Christ avait commencé avec ses disciples. Vous voyez, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire 50 jours après la montée de Jésus-Christ, ils ont reçu Jésus-Christ. Ils n'ont pas été capables d'ailleurs commencer ministériaux sans qu'ils n'ont pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui, et ce n'est pas le ministère de Dieu qu'il fait. Et tu peux recevoir l'appel, mais il faut aussi, les disciples avaient reçu l'appel. Mais le temps est aussi longtemps qu'ils n'avaient pas encore recevoir le Saint-Esprit qui leur permettrait de faire le travail comme il le faut, ils n'allaient pas pouvoir commencer. Vous allez vous rendre compte comment le Saint-Esprit a saisi l'apôtre Pierre le jour où ils ont reçu tous le Saint-Esprit. 3000 âmes se sont données au Seigneur et ils écoutaient, ils entendaient tous la parole dans leur langue respective. C'est parce que l'apôtre Pierre parlait en langue sans qu'ils ne le savaient pas parce que c'était le travail du Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il fait un travail extraordinaire. Donc, si ou pas grandi, ce n'est pas que le Saint-Esprit est absent. Non. Mais c'est parce que tout simplement, oubliez que Saint-Esprit est toujours là et est à votre disposition. Il suffit de lui demander de vous aider dans ce développement. Demande au Saint-Esprit, mettez-vous, le Saint-Esprit est à votre disposition, il est en vous, mais vous aussi, mettez-vous à la disposition du Saint-Esprit afin qu'il travaille, qu'il fasse son travail dans votre vie et vous aide à grandir, à développer dans la vie chrétienne. Troisième chose, ce que Dieu a déjà fait. Non seulement il nous a donné la vie éternelle, il nous a envoyé le Saint-Esprit, alléluia, mais aussi il nous a donné sa parole. Oh, mes frères et sœurs, il y a des gens qui tordent la parole de Dieu, comme le fait Zulula 100. Il est en train de tordre la parole de Dieu pour... franchement, lui-là, je l'ai écouté aujourd'hui. J'ai pris le temps parce que pour parler de quelque chose, il faut l'avoir écouté. Je l'ai écouté. Mais je vois ce quelqu'un-là, c'est vraiment un disciple du diable qui fait un travail du diable. Comme plusieurs autres qui le font présentement et qui se présentent sous la couverture de prophètes, d'apôtres ou de quoi que ce soit. La parole de Dieu nous met en garde contre ces faux qui arriveront dans ces derniers temps, qui parleront au nom de Dieu, tandis qu'ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Donc, il faut faire attention. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Soyez sobres, la parole de Dieu nous dit. Car le diable, notre adversaire, il rôde autour de nous comme un loup rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, il n'y a pas qu'à joindre moi pour le dévorer, parce que je suis caché en Christ. Oh, mes frères et sœurs, regardons dans 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Dieu nous a donné sa parole. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Nous lisons la parole. C'est très important de voyager à travers la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Cela peut nous ouvrir l'intelligence. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils n'ont pas le temps pour
pour enseigner la parole. Et la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous ne pouvez pas grandir parce que tout simplement, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir nous aider dans la connaissance. Parce que le faisant, je m'aide aussi. Ça m'aide à voyager à travers la parole et à comprendre ce qu'il me faut pour avancer dans la vie chrétienne, moi aussi. Donc, 1 Thessaloniciens 2, verset 13 nous dit quoi? Quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité, c'est-à-dire en la parole. Et mes frères et sœurs, dans 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit en ce qui concerne la parole? 2 Timothée 3, le verset 16, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné sa parole qui peut nous aider à savoir comment développer la vie chrétienne comme il faut. Donc voilà pourquoi nous devons lire la parole. Car dans, et c'est Salomon qui le dit dans, bon, pas Salomon, donc l'auteur du psaume 119 qu'il a écrit pour le dire, c'est le psaume 119, le verset 105, je crois, il dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Donc, ces paroles, ça, qui sont lumières, qui éclairent chemin, nous. Lorsque nous apprenons une mauvaise voie pour conduire nous, ces paroles-là qui mènent nous sur la voie de la vérité, sur la voie de l'éternité. Si vous par contre parole, bon Dieu, ou avine comme un bateau que vent a mené de tout bord, un bateau qui sans gouvernail. Parole là, c'est la parole est une lampe. C'est lorsqu'une parole, bon Dieu, ou pas quitter vent religion maintenant. Lorsqu'une parole, bon Dieu, ou pas quitter vent sec maintenant. Moi, Jean-David Pierre lui, pas un petit témoin de Jéhovah qui a vienne prendre pour convaincre moi parce que et c'est côté où gain la vérité. Pas un adventiste qui pral venir côté pour venir dire non, c'est le bon côté qui gain vérité. Pas un baptiste qui pral dire, pas un témoin, pas un mormon qui pral venir dire c'est, pas un disciple, pas un monde qui ca venir dire parce que moi je connais la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si je connais Jésus-Christ, j'ai la vérité. Jésus-Christ dit dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu connais Christ, tu as tout ce qu'il faut pour marcher droitement, pour grandir dans la connaissance et dans la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole, là, Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je salue Dieu Mène Nordeus qui nous écoute. Oh, si tu as Christ, tu as tout. Et j'aime le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, c'est-à-dire dans la parole de l'Éternel.
et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voix des justes. Et la voix des pécheurs mène à la ruine. Jésus, le Seigneur avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et la parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Alléluia. Utile pour convaincre, utile pour corriger et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire pour le développement de la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Vous avez besoin de connaître la parole et Dieu nous a donné cette parole qui peut nous aider dans le processus du développement de la vie chrétienne. Voilà pourquoi vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Oh, quand j'étais petit, il y a ce chant qu'on nous apprenait à l'école du dimanche. Lis la Bible, va grandir. Priez chaque jour. Et où va grandir? Lis la Bible, priez chaque jour et où va grandir? Donc mes frères et sœurs, si vous voulez grandir, si vous voulez développer, prenez du temps à lire votre Bible. Ça fait depuis quelques mois, je suis en train de relire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, tandis que je salue mon ami Lurux Jean-Valentin qui nous écoute du côté de la Floride. Je vous invite à partager cette diffusion. Depuis quelques mois, je suis en train de relire la Bible. Et cette fois-ci, je ne lis pas la Bible pour enseigner ni pour prêcher. Je suis en train de relire la Bible pour moi-même. C'est pour cela, j'y vais lentement. Ça arrive à plusieurs reprises pendant que je lis. Et le Seigneur m'a donné un message à travers ma lecture. Mais la raison pour laquelle je lis la Bible, c'est pour moi. C'est pour m'enseigner. Je lis ça lentement, et texte, et chapitre par chapitre, verset par verset. Je ne veux que rien passe loin de mes yeux. Je relis la Bible. Il y a des découvertes que le Seigneur m'a permis de faire en relisant la Bible. Le Seigneur m'a permis de voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant, quoique j'ai déjà lu toute la Bible en entier. Là, je suis en train de refaire une autre lecture avec une autre perspective. Je suis en train de lire pour moi-même. Et je suis rendu au livre de Sophonie maintenant. Donc, j'avance. Je suis encore à l'Ancien Testament, au livre du prophète Sophonie, que je viens de commencer d'ailleurs. Donc, je vous invite à pratiquer. Dans Esdras 7, verset 10, on nous dit que Esdras passait du temps dans la parole de Dieu. Il lisait, il passait du temps dans la parole de Dieu, non seulement pour lui-même, afin de la pratiquer, de pratiquer cette parole, mais aussi, il passait du temps dans la parole de Dieu, après l'avoir pratiqué pour lui-même. Mais il était capable aussi de l'enseigner aux autres qui étaient en déportation avec lui. Donc, mes frères et sœurs, si vous ne parlez pas de parole, mon Dieu, vous ne parlez pas comment pour camper face à doctrine, mauvaise doctrine qu'a enseigné de Yoyo. Voilà pourquoi vous avez besoin de prendre parole, mon Dieu. Salut à Vanette Michaud. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vous avez besoin de lire la Bible. Donc, c'est la troisième chose que Dieu a déjà fait. Quatrième chose que Dieu a déjà fait, c'est que
Dieu a déjà fait des provisions pour notre défense spirituelle. Je ne vais pas m'attarder sur cela parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, dans le thème de la semaine dernière, quand nous parlions des armes spirituelles que le Seigneur a mises à notre disposition pour mener cette lutte, pour mener cette bataille. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, le texte que nous avions lu, le verset 11, Paul nous fait comprendre que Dieu a déjà mis toutes les armes spirituelles à notre disposition afin que nous puissions réussir dans la lutte contre Satan et ses démons. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, est que nous sortions vainqueurs de cette lutte. Et mes frères et sœurs, notre croissance, notre développement dans la vie chrétienne va déterminer notre victoire. C'est ce qui va déterminer notre victoire dans cette lutte que nous menons chaque jour. Rappelez-vous, je vous ai dit que le combat, c'est un combat et quotidien. C'est chaque jour nous combattons. Et nous ne combattons pas avec la chair et le sang. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. » Donc, mes frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette bataille. C'est vrai, sur la route, sur le chemin, nous allons rencontrer toutes sortes de difficultés. La tentation est sous toutes ses formes, l'argent, le sexe, le pouvoir et les plaisirs du monde. Tentation sous toutes ses formes. Mais et souvent, c'est certaines de ces tentations qui prennent vine devant nous. Dieu prend le permettre yo, et n'est pas parce que le connaît que nous pas capable surmonter yo. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit n'est pas laisser nous tenter au-delà de force, non. Donc il prépare tentation yo, c'est il prépare moyen pour nous sortir dans tentation. Ça qu'arrivait que au cours du chemin ou trébucher. Ça qu'arrivait même que au cours du chemin ou même tomber. Combien de serviteurs qui sont déjà tombés, combien de servantes qui sont déjà tombées, qui ont déjà fait des erreurs au cours de la route. Oh oui, nous ne sommes pas exempts des erreurs. Oh non, un pasteur, un prophète, un apôtre, il n'est pas exempt des erreurs. On dit que le pape est infaillible, mais non. Le pape n'est pas infaillible, c'est un mensonge. Il est capable de pécher parce qu'il est dans un corps de péché. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans un corps de péché, nous sommes capables de pécher. Cependant, la provision du Seigneur, c'est qu'il a fait une provision de pardon. Il dit dans 1 Jean chapitre 3, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dans le processus du développement de la vie chrétienne, nous ne sommes pas seuls. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais et ne me laisse seul. Nous ne sommes pas seuls. Si nous tombons, il va nous relever. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, ça peut arriver que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, tombe jusqu'à 7 fois, mais Dieu est capable de le relever. Le problème, mes frères et sœurs, la tragédie, mes frères et sœurs, c'est quand nous tombons et nous restons par terre. C'est là le problème. Je salue ma sœur, mon ami, le pasteur Maggie Saint-Hilaire, Norbal, et qui nous écoute, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est quand nous restions par terre, il ne nous faut pas rester par terre. Nous devons nous relever si nous tombons. Dieu a dit, si vos péchés sont rouges comme cramoisi, il peut nous rendre blancs comme la neige. Voilà pourquoi nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, sachant qu'il peut non seulement nous restaurer, mais aussi
nous aider à aller plus loin dans ce combat, afin de nous aider dans le processus du développement de la vie chrétienne. Donc, mes frères et sœurs, Dieu a fait des provisions, a déjà fait des provisions pour nous aider dans le développement de la vie chrétienne. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est pas que Dieu a déjà fait, mais Dieu agit encore, mes frères et sœurs. Oh, Dieu ne chôme pas pour nous. Dieu sait exactement que nous sommes incapables. Nous n'avons pas des ressources personnelles pour que nous menions cette lutte, pour que nous croissions comme il se doit. Voilà pourquoi non seulement il a déjà fait des provisions dont nous venons de citer en nous donnant la vie éternelle, le Saint-Esprit, sa parole et aussi en mettant à notre disposition les armes spirituelles, mais Dieu est en train de travailler encore, pasteur Samuel, Joseph, que Dieu te bénisse, Junie, Jean, que Dieu te bénisse, ma sœur. Donc Dieu est en train de travailler. Dieu continue encore à travailler afin de nous aider dans le développement de la vie chrétienne. Plusieurs textes pourraient nous intéresser afin de voir ce que Dieu est en train de faire pour nous aider dans le développement. Je vous rappelle que je suis en train de traiter pour vous ce soir le rôle de Dieu dans le processus du développement de la vie chrétienne. Le rôle de Dieu dans le processus du développement de la vie chrétienne. Donc, et le sujet en soi, c'est la vie chrétienne, le développement de la vie chrétienne. Donc, nous avions parlé dans un premier temps de l'obligation de vivre pour le chrétien, pour la chrétienne, de vivre une vie chrétienne. Nous avions élaboré autour du combat dans le processus de la vie chrétienne. Nous avions vu aussi les armes dont Dieu a mis à notre disposition pour nous aider dans le processus du développement de la vie chrétienne. Et nous sommes venus avec un autre sujet en parlant du rôle de la Trinité dans le processus de la vie chrétienne. Donc ce soir, le premier thème que nous voyons dans ce sujet, c'est le rôle de Dieu dans le processus du développement de la vie chrétienne. Et nous allons aussi voir et la semaine prochaine, Dieu voulant, le rôle de Jésus-Christ, et la semaine d'après, le rôle du Saint-Esprit. Donc, et nous venons de voir ce que Dieu a déjà fait. Donc, c'est juste pour moun ki fèk branché yo, pour nous font une récapitulation pour vous, mais on va continuer, tandis que je salue notre sœur, notre amie, la sœur Edith Monel, qui nous regarde et qui nous suivait. Je vous invite aussi à partager avec vos proches sur votre page respective le contenu de la diffusion de ce soir. Donc, Dieu continue à travailler en nous pour produire le vouloir et le faire. Regardons dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Ok, Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Nous lisons depuis le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez déjà obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Donc, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Dieu ne se contente pas seulement de nous dire ce que nous devons faire, c'est-à-dire vous devez croître. Vous devez développer une vie chrétienne. Nous venons de voir ce qu'il a fait, ce qu'il a mis à notre disposition pour nous aider. Mais voilà, Dieu est en train chaque jour de produire en nous la capacité d'être capable
de nous développer sur le plan spirituel. Oh, mes frères et sœurs, Dieu ne se contente pas seulement de nous dire que nous devons développer, que nous devons nous développer spirituellement, mais aussi il nous donne d'avoir le désir et la force de le faire. Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Dieu sait que seul nous ne pouvons pas. D'ailleurs, Jésus-Christ l'avait dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, il ne nous demande jamais de faire ce qui nous est impossible de réaliser. Au contraire, il nous donne toujours la force d'accomplir sa volonté. Oh, non seulement il nous demande de faire sa volonté, mais il nous donne la capacité de faire sa volonté. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Jésus-Christ, il a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, un texte dont je fais toujours la référence, et c'est Jean, Matthieu 7. Jésus-Christ a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le Seigneur veut que nous fassions sa volonté pour que nous rentrions dans son royaume, le royaume qu'il établit déjà dans le cœur des croyants, mais qu'il établira bientôt et physiquement. Donc Dieu, il ne nous demande pas juste de faire sa volonté pour que nous rentrions, mais il nous aide, il nous donne la capacité en nous donnant le vouloir, le désir, la force et de pouvoir le faire. Il ne contraint personne à lui obéir. Il préfère plutôt travailler dans le cœur de la personne afin que cette dernière choisisse de lui obéir avec joie et sans contrainte. Donc, vous voyez, c'est là le rôle du libre arbitre en vous. Le Seigneur a mis en vous le libre arbitre. Vous avez le choix d'obéir, vous avez le choix de ne pas obéir. Mais si vous voulez obéir, il va vous aider à le faire mieux, à le faire bien. Donc, mes frères et sœurs, voilà, Dieu est en train de nous aider dans le processus en nous donnant la capacité, le désir, le vouloir et le faire. Si nous ne développons pas, ce n'est pas parce que nous nous opposons à Dieu qui veut toujours produire en nous le vouloir et le faire, au lieu de lui obéir. Donc, Dieu est en train de travailler en nous. La deuxième chose que Dieu est en train de faire pour jouer son rôle dans le processus du développement de la vie chrétienne, nous le trouvons dans Hébreux, le chapitre 12, les versets 7 à 11. Or, c'est que Dieu nous punit dans le but d'assurer notre parfait développement. Souvent, mes frères et sœurs, Dieu va nous punir. En fait, la punition pour Dieu, ce n'est pas pour nous la punition pour Dieu, c'est pas pour que les capables comment t'as dit ça si quelqu'un peut m'aider avec un mot semblable à ce qui est dans ma pensée. C'est pas pour nous écraser. Dieu pas puni nous pour l'écraser, non. Pour les tako lorsque humainement et mon a châtié nous. Les châtier nous pour les humilier. Voilà le mot que je voulais. Dieu ne nous châtie pas pour nous humilier. Au contraire, c'est pour nous aider à grandir dans le processus du développement de la vie chrétienne. Et c'est très important que nous lisions ce texte dans Hébreux pour que nous comprenions mieux la raison d'être de la punition de Dieu. Hébreux, chapitre 12,
les versets 7 à 11. Hébreux 12, 7 à 11. Merci de partager Fabiola Joseph. Je te salue Fabiola Joseph. Verset 7 à 11. Supportez la correction. C'est comme un fils que Dieu vous traite. C'est comme un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non pas des fils. Alléluia. Merci à Marie-Françoise d'Alento, que Dieu te bénisse aussi. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas d'autant plus, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Alléluia. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, mais ils le trouvaient bon. Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour tes corrections dans ma vie. Merci Seigneur pour toutes les corrections dont j'ai été sujet dans ma vie. Merci pour les pleurs et les tristesses dont j'ai été sujet dans ma vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh, certes, au premier abord, toute correction que semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. La justice. Mes frères et sœurs, voilà la raison d'être de la correction. C'est pour que nous participions à la sainteté, mes frères et sœurs. C'est pour que nous participions à la sainteté. Parce que bon Dieu voulait que nous grandissions. Bien souvent, nous nous adressons à Dieu en disant « Notre Père qui est aux cieux ». C'est bien là ce qu'il est réellement pour nous qui sommes sauvés. Il est notre Père. De même qu'un bon père humain châtie son fils bien-aimé lorsque celui-ci commet quelque tort, de même Dieu aussi nous châtie lorsque nous sommes fautifs. Bien que nous n'aimions pas ce châtiment, nous devons admettre qu'il est pour nous notre bien. Qu'il est pour notre bien. Dieu ne le fait pas afin de nous assujettir, mais afin que nous soyons bien développés dans le processus de la vie chrétienne. Remarquez le verset 8 dans ce texte. La discipline est une preuve que nous sommes de vrais enfants de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, si Dieu nous corrige, c'est parce que nous sommes des fils et des filles. Alléluia. Je me rappelle, une fois, mon père m'avait châtié. Il m'avait donné une fessée parce que mon père, avec moi, il était strict. Il était moins avec mes autres frères. Côté paternel, parce que je suis fils unique, côté maternel, il était moins strict avec mes autres frères, côté maternel, et ma soeur, côté paternel, et ma soeur aussi, côté paternel. Mais avec moi, il était très strict. Un jour, quelqu'un lui a raconté quelque chose sur moi qui était archi faux. Archi faux. Au contraire, ce que la personne avait raconté sur moi
Ce n'est pas moi qui l'avais fait, c'était son neveu à lui. Mais et pourtant, il a dit à mon père que c'est moi qui l'avais fait. Mais mon père était tellement en colère, vu qu'il était strict avec moi, parce qu'il voulait que je sois droite comme ça, que j'ai un comportement exemplaire. Il était enflammé de colère et il m'a donné une fessée que j'ai jamais eue dans ma vie. À un point tel, après cette fessée, oh, c'est avec benzo ainsi que grande moitié benyem, tellement il était calé avec colère. Mais pourquoi il l'avait fait dans sa tête? C'était bon pour lui. Parce qu'il voulait que je sois quelqu'un de droit, quelqu'un de qui marche de façon droite. Il était vrai que moi, exemplaire et gloire soit rendue à Dieu. J'ai jamais été quelqu'un de mauvais dans ma vie. Je remercie le Seigneur parce que jusqu'à présent, c'est pas grave, sœur Monelle, tu peux toujours revisualiser la chronique. C'est pas un problème. En plus de cela, ça va être aussi sur ma chaîne YouTube bientôt. Donc, je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube, à vous abonner sur ma chaîne YouTube en tapant JDPL Ministries, en coller un J comme Jean, David, Pierre lui, mais JDPL Ministries, M-I-N-I-S-T-R-I-E-S. Donc, vous pouvez avoir accès à ma chaîne et puis abonnez-vous. Et il y a plein de messages, des enseignements que j'ai fait, tout ça, etc. Donc, mes frères et sœurs, pour mon père, c'était bon parce que je suis son fils. Il voulait que j'aie un bon comportement, une bonne conduite. Et c'était si c'était bon pour mon père, le texte nous dit que le Seigneur, quand il nous corrige, c'est pas parce que tout simplement c'est bon, mais parce que c'est bien. Tandis que pour Dieu, au verset 10, il dit nos pères qui nous corrigent, c'est-à-dire nos pères humains qui nous corrigent pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Il le trouvait bon, mon père le trouvait. Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Donc, mes frères et sœurs, Dieu a une raison beaucoup plus large de nous corriger. C'est pour cela que nous devons nous courber à la discipline de Dieu. Nous devons nous courber à la correction de Dieu, parce que c'est pour notre bien. Le temps me manque pour vous parler de ce que Dieu continue encore à faire dans nos vies. Et Dieu continue à nous pardonner à toutes nos fautes. D'après 1 Jean chapitre 1, les versets 8 et 9. Oui, personne n'est parfait. Comme je l'avais dit tantôt, personne d'entre nous n'est parfait. Nous péchons contre Dieu à chaque instant dans notre vie. Si nous ne voulons pas accepter ce fait, c'est que nous ne sommes pas honnêtes en nous-mêmes. 1 Jean 1, 9, Dieu ne nous pardonne pas parce qu'il nous aime, mais à cause de sa fidélité. Jésus a déjà payé la dette de tous nos péchés, à la croix. À cause de cela, et aussi de la fidélité de Dieu, lorsque nous péchons et que nous confessons nos péchés, Dieu nous accordera le pardon et nous purifiera de toutes nos fautes. Donc, si nous ne grandissons pas, c'est parce que Dieu refuse de connaître nos péchés et les confesser devant Dieu. Nous devons les confesser afin d'obtenir son pardon. Donc, Dieu, dans son rôle, il continue à nous pardonner de toutes nos fautes. Et enfin, mes frères et sœurs, Dieu nous met à l'épreuve afin que nous
développions. Dieu nous met à l'épreuve afin que nous développions. Nous pourrions lire dans Jacques chapitre 1er les versets 2 à 8, Romains chapitre 8, le verset 8. Donc, il y a plusieurs choses que Dieu fait pour nous aider dans le développement de la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. La Trinité nous aide dans le processus du développement de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avions vu ce que Dieu fait, le rôle de Dieu dans le processus du développement de la vie chrétienne. On a vu que ce que Dieu a déjà fait, c'est-à-dire Dieu nous donne la vie éternelle, Dieu nous donne le Saint-Esprit, Dieu nous donne la parole. Dieu fait des provisions pour notre défense spirituelle en nous donnant des armes et qu'il faut afin de mener cette lutte. Et nous avions vu aussi ce que Dieu est en train de faire. Il continue à travailler en nous pour produire le vouloir et le faire. Oh, nous avions vu que Dieu nous punit dans le but d'assurer nos parfaits développements. Nous avions vu aussi que Dieu continue à nous pardonner toutes nos fautes. Et enfin, nous venons de voir que Dieu nous met à l'épreuve afin que nous développions comme il faut dans la vie chrétienne. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Il nous promet d'être avec nous. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Il nous promet d'être en nous. Il est en nous par la présence du Saint-Esprit. Et il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand la mer mugit, s'écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes de la terre. Dieu est fidèle et juste. Il est là. Il se tient debout pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dieu nous aide dans le processus. Dieu joue son rôle à côté des responsabilités que nous avons dans ce processus du développement de la vie chrétienne. Mais Dieu aussi, il a un rôle, il a des rôles à jouer et c'est ce que nous venons de voir. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qu'il est en train de faire pour nous dans ce travail et dans le processus du développement de la vie chrétienne. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui était claire pour nous ce soir, qui nous a montré ce que tu as déjà fait pour nous, comment tu nous aides dans le processus du développement de la vie chrétienne. Nous savons déjà qu'il est une obligation pour nous de développer une vie chrétienne, c'est-à-dire de développer notre relation avec toi. Une relation qui a commencé dans le parvis, qui a continué dans le lieu saint, mais nous voulons que notre relation entre dans le lieu très saint. Et tu le fais, Seigneur, en nous aidant, en nous donnant ta parole, en nous donnant ta présence par le Saint-Esprit, en nous donnant les armes qu'il nous faut sur cette terre, en sachant que nous sommes pécheurs et que nous sommes capables de pécher, mais tu nous aides. Tu ne nous laisses pas tenter au-delà de notre capacité, mais tu mets toujours devant nous des moyens afin de surmonter les tentations. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ce travail, pour le rôle ô combien extraordinaire que tu joues en notre faveur, pour nous aider de croître
et de grandir dans la connaissance de ta parole, afin que nous développions en statue, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est de faire ta volonté. Et tu nous aides, Seigneur, à le faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ, pour son sacrifice. Merci pour le Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, nous aurons à voir le rôle de Jésus-Christ dans ce processus. Déjà, Seigneur, prépare nos cœurs. Donne-nous, ouvre nos cœurs, notre intelligence, afin que nous comprenions ta parole. Et que ta parole soit une lumière toujours pour nous, qui dirige nos pas. Et si tu vois que nous sommes sur une mauvaise voie, par la lumière de ta parole, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Entends nos prières. Nous te demandons ces grâces, non en fonction de nos mérites. Bénis nos frères et sœurs qui étaient avec nous. Bénis ceux et celles qui ont partagé et qui vont continuer à le faire. Bénis ceux et celles qui nous écoutaient à travers le monde, à travers cette chronique. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en nous, pour tout ce que tu as fait à travers nous, pour ta gloire et pour l'édification de nous tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute. Et merci pour vous qui étiez là. Et les amis qui nous écoutent, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous contacter à travers cette adresse email qui va apparaître sur l'écran, et aussi à travers le numéro de téléphone qui va aussi apparaître. Et vous pouvez nous contacter via WhatsApp et Messenger. Et je suis sur Instagram, Facebook. Je vais reconnecter mon compte Twitter bientôt, mais vous pouvez nous rejoindre, posez-nous des questions. En attendant, la semaine prochaine, nous venons de voir le rôle de Dieu, mais nous verrons le rôle de Jésus-Christ dans le processus du développement de la vie chrétienne. Donc, j'espère que vous aviez été bénis. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Et puis, soyez bénis. Le rendez-vous, Dieu voulant, c'est pour la semaine prochaine. Je rappelle mes amis qui sont du côté de New York, New Jersey. Je serai le 9, Dieu voulant, à l'église La Parousie, l'église dirigée par le pasteur, notre ami, notre frère, notre ancien collègue à la jeunesse de la deuxième ex-baptiste de Port-au-Prince, le pasteur Yvan-Franck Dalzon. Donc c'est là que je porterai la parole, et je vous donne rendez-vous là-bas et à cette église. Donc que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis à tous égards. Je vous aime dans le Seigneur et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Rappelez-vous que le Seigneur n'a pas besoin d'une semaine sainte, mais il a besoin que nous menions une vie sainte pour sa gloire sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Bonnie Richelet, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.